Pour aider à financer le festival, les bénévoles organisent des actions comme la Jazz Popote. En 2014, ils ont préparé et servi une centaine de repas. En liaison avec l'association Polar sur la Ville et dans le cadre du festival Scène au Bar, Jazzpot propose une animation musicale place Claude Arnoux à la terrasse de l'Excelsior. Jazzpot et le Nest invitent Françoise Marcoun et Laurent Péfer à se produire sur la scène du Barnum. Claude Barthélémy, artiste en résidence à l'Adagio, travaille sur une création qui ouvrira le festival le 1er juillet. Il répète les concerts avec les élèves et les professeurs du Conservatoire de Thionville. Le festival s'annonce dans la vitrine de l'Office du Tourisme, sur la façade de la mairie, sur les écrans de la Scala et par la diffusion des programmes. Le 26 juin, la diffusion se fait à la gare de Thionville avec l'accompagnement musical des Baladins. Cour du château, les bénévoles tiennent un stand. Animation de la place Roland en liaison avec le centre Le Lierre autour d'un pique-nique. Jazzpot et l'Association nationale des artistes cheminots, l'UAICF, présentent quatre formations qui animent toute la journée deux podiums dans Thionville. Du 1er au 6 juillet, c'est le 10e festival Jazzpot.
Lors du festival Court Toujours présenté par le Nest, Jazzpot tient un stand de restauration. Jazzpot assure la restauration lors de la Nuit du Jazz présentée par l'Adagio au Conservatoire de Thionville.